Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons réaliser une partie de pétanque à l'aide d'une pièce d'artillerie médiévale. Alors, on a écrit catapulte dans le titre, mais en réalité, c'est un trébuchet. Dites-nous dans les commentaires, team catapulte, team trébuchet. Moi, je suis team trébuchet. Qu'est-ce qu'un trébuchet? C'est ça. Bon, c'est un truc pour défourailler les châteaux au Moyen-Âge, hein, c'est pas compliqué. Vous connaissez les règles de la pétanque? Eh bien là, c'est la même chose, mais avec ça, c'est tout. Alors venez voir. En jaune, bon bah c'est les cochonnets, ça, bah c'est les boulets de l'équipe rouge, ça les boulets de l'équipe bleue. Il y a différents types de tailles de boulets, c'est-à-dire que plus il est léger, plus il va loin, plus il est lourd, moins il va loin, donc il y a une stratégie. Et on a la possibilité de faire tourner le trébuchet afin de viser. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de préciser plus que ça? Non, je ne pense pas. C'est parti pour... On fait une partie de pétanque avec des pièces d'artillerie du médiéval. L'appeler aussi trébuchet. Mesdames et messieurs, je suis donc avec Franck. Franck, tu es passionné de ça, j'imagine. Oui, oui, non. Je suis tombé dedans un peu quand j'étais petit. Ça aurait été triste que tu me répondes non, mais j'ai jamais aimé ça. Moi, catapulte, ça me saoule. Donc tu vas nous faire une petite formation accélérée pour qu'on puisse manier cet engin et balancer du coup des poids pour pouvoir jouer à la pétanque médiévale. Vraiment, dans deux minutes, on sait comment servir de notre trébuchet, quoi. Oui, c'est ça. Deux, trois petites choses à savoir pour la manipulation. Ok. Donc là, on va faire notre premier lancer, j'ai ça trop hâte. Très mal, c'est passé. On l'a pas vu fonctionner avant, c'est complètement ouf. Et moi, je vais mettre à une distance raisonnable, hein, parce que j'ai un peu peur. Ça me paraît très raisonnable là. Trop, peut-être. C'est bon? Ouais. On va placer un projectile. Alors, le cochonnet. Ah, c'est le cochonnet de la première partie. Donc, ça les gars. Part maintenant. Eh bien, okay. Maxime, tu veux. Avec un immense plaisir. On n'a même pas présenté les équipes. Donc, ce sera Yvan et moi contre Étienne et Thomas. Pour des raisons de sécurité supplémentaires, à chaque tir, on annonce qu'on va tirer. D'accord. Gare au trébuchet. 1, 2, 3 et 3. Ok, bah, ok. Trébuchet. Qui commence après, du coup? Bah, du coup, c'est vous, hein, vraiment. Parce que vous tirez le cochonnet. Donc, quand on tire le cochonnet. Vous tirez la première. On tire la première, ok. Génial! Merci Franck! Et je suis posé dans le club! Normal! Gare au trébuchet! J'adore ce moment de ma vie! 3, 2, 1, trébuchet! Mais quoi? C'est tellement mieux que la pétanque! Ah ouais, quand même, hein! On partait sur un tir droit, et on voit bien que bon, bah si on se met dans l'alignement, bah on est pas du tout en face, quoi. Tu crois que c'est le vent qui joue? C'est le vent qui joue sur un cochonnet de 8 kilos? Ouais, non. J'ai léché mon gant pour sentir le sens du vent. Bon, bah boulet suivant, hein, les gars! Nous sommes l'équipe rouge. On n'a pas de nom. Alors, on a pu faire vanille fraise. Vanille fraise. Ça va être à la chatte. Et je compte bien sur notre karma pour nous aider. Il faut savoir que dans la vidéo, il y aura plein de fois la blague tu tires ou tu pointes, est-ce que tu veux un pastis et tout. Enfin, attendez-vous à la voir. Si on est relou. Mais je trouve beaucoup plus grand. Ouais. Que le cochon. Bah vas-y, vas-y, on danse celui-là. Bah, on essaye, de toute façon. Et bonne chance, messieurs. Hein. Merci. Non, je plaisante. Je sais pas, vous blairez. Gare au trébuchet. 3, 2, 1, trébuchet. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, bien. Mais il y a un vrai truc avec le vent. Et c'est vraiment bien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pas et demi. Et 8 trucs comme ça. 5 pas et demi et 8 gourdins. On continue, c'est maintenant à l'équipe rouge de tirer avec un trébuchet pour faire une pétanque. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Je pars sur 2, 3, 5. Okay. Non mais viens. Ah, quoi, t'as une stratégie? Non. 3 kilos, ça. Ouais, je sais. C'est le bruit du trébuchet. On vous entend? Ah, j'ai tout entendu. Je suis vexé. Et les boulets enflammés, c'est la partie 2 ou... Si vous aimez cette vidéo, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche et on fera un épisode avec des boulets enflammés et un vrai château qu'on devra détruire. On détruit la red box au trébuchet. J'aimerais qu'on parte sur notre premier réglage de direction. Oh, vas-y. Vas-y! Encore un peu! J'hésite entre les dés. Ah, t'as peur! Beaucoup trop là! Il est fou! Ah, j'ai fait mon sport pour une semaine! Ils ont décidé de légèrement décaler le trébuchet sur la droite. C'est une stratégie comme une autre. Personnellement, j'aurais fait ça aussi. J'attends le signal sonore! Gare au trébuchet! 1, 2, 3! Trébuchet! Oui! Oh! Oh, elle est belle! Je crois qu'il était un petit peu trop lourd. Il est parti à 6 mètres. Allez, compte les pas, Thomas, compte les pas! 11, 12,
12. Il s'est passé quoi, Thomas, là? C'est un mauvais choix de poids, là. Donc c'est ta faute, du coup? Si la question est de savoir si je suis responsable, la réponse est... Non, mais tu sais quoi? Oui. C'est en équipe, la défaite. Allez. Et j'en tiens responsable aussi. Allez, on fait mieux la prochaine fois, hein. Du coup, on prend le plus léger. Ouais, il y a celui-là qui fait 2 kg 3. 2 3 et 2 5, ouais, mais on commence par le 2 3. Ouais, vas-y. C'est à moi de tirer? Oui, c'est à toi. Est-ce que je peux avoir un petit coup de clairon? Solide sur tes appuis. Bien, on trébuchait! 3, 2, 1! Oh! Oh, elle est bien. Elle est trop belle. Ah, elle a dévié de ouf! Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est un peu plus loin, c'est bah pas grave. Oui, ouais. On a sécurisé nos positions, on a sécurisé. Ah, mais attends, on n'a pas de 1,8 kg. Faut tailler dedans. C'est tellement une bonne idée. Est-ce qu'on peut pas prendre la masse là et casser un peu le caillou pour les alléger, tu vois, tu sais? Ah ouais, ouais. Ouf, bah c'est une strat, hein. Mais là, on prend la masse de Thomas. Ah, ils le font? Oh putain, les bâtards. Ah, les bâtards. On aurait dû tellement faire ça avant. Merde. C'était pas du tout ce qu'on était en train de se dire qu'il faut faire sur le terrain. Vraiment. Yvan a soumis l'idée, il s'est retourné, vous étiez en train de faire ça. Et donc c'est ça que vous voulez envoyer, alors? Allez, sur un 2-3. Ah ouais. Nous on était à 1. Ouais. En vrai? Ouais. Faudrait que... Oui. Ils entendent là. Mais on est d'accord en fait. 2 kilos. Oui. Oui. Attends, je cherche pas. Gare au trait. Attends, y'a un truc qui me gêne. Qu'est-ce qui te gêne? Bon, je préfère pas contredire. Hein. Tu peux pas contredire un gars comme ça. Il a retiré de l'herbe, ce con. Oh là là, c'est débile, il fait des trucs incohérents. Ouais, tu l'arrêtes plus là. Je crois qu'il est en train de faire un AVC. Etienne, t'es sûr là? Si le rebond est à l'endroit où t'as plié les bras d'herbe. Incroyable. Moi j'arrête, je me casse, je vous laisse finir. Ça marche. Bien fort, coup sec. Et gloire au trébuchet. C'est trompé, c'est gare. Ouah. Ça c'est vraiment bien tiré, hein. Oh, c'est terrifiant, ils sont trop proches. Oh les bâtards. On prend la tête. Combien de Thomas sépare l'équipe rouge de la victoire? 2 Thomas et 1 bras. Putain, bon, merde. Les vanifraises reprennent la tête. Les vanifraises reprennent la tête. Ouais, vas-y. Ah, navigateur. Ok. Vas-y. Par contre, l'aérodynamisme, il va pas être fou. J'ai la prise au vent, mec. C'est le boulet le plus moche, mais c'est peut-être le boulet de la victoire. Ça se trouve. On lui aurait pas donné de petits noix, nos boulets. C'est vrai, ça. Ça, c'est Freddy. On va être prêts, les gars. Gare au trébuchet. 3, 2, 1... Très beau, Luca. Elle est bien. Oh my god, elle est incroyable. C'est le meilleur tir. Oh my god. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi précis, mec? Oh la vache. Ça va, les gars? Incroyable. 3. Tranquille. Boum. Franchement, bravo, les gars. Mais attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un gros plan, là? Ouais, il est pas homologué, hein. S'il avait été disloqué, on ne l'aurait pas validé. Je le connais. Je soulève un peu. Je t'ai foutu. T'as vu, on a la même strat, genre, c'est... Oh là là, des ouf. J'ai l'info. Oh là là. C'est pas si loin, celui-là, je sais pas pourquoi, il est hyper compensé. Je pense qu'il est bien, ouais. Eh, c'est Isabelle. Tu l'as appelé Isabelle? Isabelle Boulet. Je suis humoriste. Faut savoir, pour les gens qui débarquent sur cette chaîne, que Thomas a uniquement des références très anciennes, comme par exemple... Une référence ancienne? Pierre Pichot. Même moi, je l'ai pas. attention à toi. Ah ouais, il y a un truc de chez, ouais. mais je pensais vraiment pas qu'on pourrait... Attends, Je suis vu mourir pendant une seconde. Mais je pensais vraiment pas qu'on pourrait... Messieurs, dames, vous l'avez vu, ça a cassé. Du coup, après 6h30 de réparation, c'est faux, ça a duré 30 minutes. L'équipe rouge va pouvoir se remettre à tirer, la compétition est toujours aussi intense. Nous sommes actuellement sur une partie en 5 boulets par équipe, c'est parti. Mais cette fois, vous essayez de pas la péter, hein? Oui, c'est judicieux comme conseil. Ah, ça...
ça, j'avais oublié ça. Ça manquait. J'hésite toujours entre ces moments où faut les manger et ce moment où faut tirer avec les pêcher. Du coup, dans un doute, j'ai une tarte. Garo, boulet. Oh, il y a plus d'énergie, c'est incroyable. Garo, trébucher. Encore un petit coup de clairon. Merci bien. Non, moins bien celui-là. 1, 2, 3. Trébouka. Ah ouais. Ah ouais. Oh, elle est belle. Le défec. Ouais. Ouf. Ça va pas. Oh, putain, ils sont c'est bons. C'est pas mal, en vrai. Putain, mais c'est serré. C'est incroyable. Regarde. 1, 2, pas et demi. 1, 2, 3 pas et demi. Ouais, il y a 60 cm, genre. Ah. Ça fait 1,75 kg. Ah, j'aurais pas dû te dire ça. Au pas de tir. C'est le moment où on triche et on rapproche notre juste à côté ou... Non, putain. Ça va se voir. Ça va se voir, c'est gris. Par contre, on peut prendre ça à la place de l'autre. Et poser celui-là. Ah, ça, c'est marrant. Et c'est parfait, en vrai. En vrai. Donc, allez. Vendu. Bon, on va entendre ça après. Ça, c'est la victoire que vous venez de voir avant la victoire. Là, c'est pas beaucoup plus lourd que ce que je viens de supposer. Faut enlever pas grand-chose. Faut enlever un peu. Enlève un 600 grammes, quoi, tu vois. 600 grammes. Ouais. Coup, on dirait qu'on est chez le boucher. Non, mais c'est vrai. Et là on rigole. Et dans 2-3 ans, il y aura les championnats de France. C'est clair. Franchement, si on lance un sport, ce sera ma plus grande fierté de toute cette chaîne. Le clairon, s'il vous plaît. Ah, un petit coup de clairon, oui, un petit coup de clairon, vous avez raison. Ah, okay, 40 plus de droit, très bon cas. Aïe. Échec. Pas obligé de t'embêter à aller voir. Je veux comprendre mon échec. Trop lourd. Putain. J'aurais pas dû écouter Yvan. Yvan, viens. Je crois qu'on a mal géré le vent, patron. Putain. J'adore ce moment, je m'en lasse jamais. Le moment du tir, je m'en lasse jamais. Ah, mais vous avez rien taillé au final, vous avez pris une autre moitié. Bah, y a pas besoin des fois quand c'est bon. Regarde-le, il est trop dedans. Clairon, s'il vous plaît. Il ne peut pas danser. Merci. Autograbuge. Oh, elle va loin. Ah oh, non, elle est pas bien. C'est vraiment proche, mec. Oh non, on va pas. Oh, putain. Oh non, on va pas se la faire voler. C'est là. Pas possible. Non. Putain, non. Non, je vais chier. Merde. Vous êtes sûr? Vous êtes ah sûr? Ah bah, oui, sûr. Ah ouais, j'avoue. Fuck. Non, ça sert à rien de... Est-ce que vous voulez qu'on... On a le mètre toujours. 17. Bravo. 2 mètres pile. Bah 3 mètres quoi en fait. Hein. Ah ouais quand même. On est à 4 pieds, vous êtes à 6 pieds. C'est vrai? Bah à peu près. Aussi convertible en 0,0017 lieues. C'est vrai? Oui. Des lieues? Oh le talent. Ouais, merci à tous. T'as plus de talent à la convertissage qu'au pétrambuche. Ferme ta gueule. Il reste plus que 2 boulets, un boulet par équipe. Donc on est bien placé. On l'avait pas vu sur le mic. Mais bah peut-être parce qu'on est l'équipe bleue et que... Ah. Et que... C'était le dernier boulet mec. Ouais je sais. C'est peut-être bien hein. J'ai l'impression que c'est le poids parfait, mec. Ah, mais putain. C'est le poids de la victoire. Je pense ça trop au sérieux, là. Mais je sais bien, mais. Je suis désolé. Mais on peut pas perdre, en fait, c'est de sac à merde. Et franchement, moi, je prends trop ça au sérieux aussi, maintenant. J'ai vraiment envie de gagner. Eh, mais je viens de me rendre compte d'un truc de ouf, là, en fait. Si vous perdez, c'est perdu. C'est-à-dire que si là, le boulet est pas bon, c'est gagné. Oui. Tu l'as senti sans oui. Allez, vas-y. Le vent, il vient pas de se lever, là? Moi, là, comme ça, je dirais que le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Mais bon, après... Musique, Franck? Est-ce que je peux faire une commande de morceaux à Franck sur le dernier coup de clairon, peut-être? Sur la boulette de Diams, s'il te plaît. La boulette de Diams, tu peux nous la faire au clairon? Tu. Alors oui, on déconne, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Tu cries, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Et au lieu de faire 3-2-1, tu fais, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. D'accord, tout se joue sur ça. Ouais. Allez, Yvan. C'est allez, pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Oh, il est bon. Oh, non. Et c'est perdu. Ah, j'ai écrit jusqu'au bout. Il était tellement beau. Il était trop beau, putain. Ah, merde. Fais chier. Vous repartez avec ce caillou.
Bravo. Bravo. C'était incroyable. C'est le double coup. C'était dégoûté. Je te déteste. Merci. Mec, c'était fou. Mais c'est fou que ça a été aussi proche, quoi. Mais il y a eu tellement de rebondissements, surtout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo où l'on fait une pétanque grâce à des éléments d'artillerie médiévale. Ça vous a plu ? Oh oui, oui, personnellement, oui. Le visage, enfin le dos du seum. Et suivoyez cette chaîne. Oh, c'est bien ça. Activoyez la cloche. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Le Crew et Amixem. Au revoir.